Allô? Mais putain, mais je suis archi souple. Ouais, bon, ça va mettre ma tête derrière ma... Ta tête derrière ta jambe, arrête. Ouais, ma jambe derrière ma tête plutôt. Bon, ça y est, j'approche la trentaine. C'est dans 5 ans et quelques mois. Hein. Pourquoi j'ai dit ça? Now I feel vieille. You feel vieille? I feel very vieille. Yo! Bah respire. J'espère que vous allez bien. Écoutez, j'ai pas besoin de vous rappeler qu'il faut rester chez soi en ce moment, qu'on n'a pas le droit de sortir sans l'attestation. De toute manière, vous avez internet, vous avez la télé, vous êtes au courant. Et surtout, c'est pas mon rôle. Moi, je suis là pour déjà pour m'occuper, je vais pas vous mentir, mais surtout pour discuter un peu avec vous, faire un peu le point. Bienvenue dans ce jour 1, je pense qu'il y aura des vidéos peut-être tous les jours, je dis pas tous les jours parce que des fois j'aurais sûrement pas envie, ou je serais peut-être triste, ou tu vois, enfin comme tout le monde, genre j'ai mes humeurs. Aujourd'hui, en tout cas, je suis motivée pour tourner, je me suis dit, allez, on va tourner un petit truc parce que on est tous dans la même merde, au final. Je pense qu'on a tous, on est tous en train de prendre le revers du... Au départ, on croyait pas trop que ça pourrait arriver, mais en fait, ça arrive. Déjà, j'ai envie de commencer ma vidéo par « Chers amis anxieux et anxieuses », donc c'est-à-dire personnes qui sont sujettes aux crises d'angoisse, nous sommes dans la même équipe. Mais j'ai pas envie de rester là-dedans. Donc je me suis dit, on va faire une vidéo, la première vidéo de cette série va consister à faire un peu le point avec vous. J'ai besoin de vous dans les commentaires et je dis pas ça pour mon reach, sachez que j'en ai absolument rien à foutre. Comme une très bonne majorité, je pense, d'influenceurs et de youtubeurs et de peu importe comment vous voulez nous appeler, je vais sortir pas mal de vidéos, mais... J'avais envie de voir avec vous ce que vous avez envie de voir. C'est-à-dire que là, on est sur une vidéo où je prends de vos nouvelles. Voilà. Et à pas de... On va passer un petit moment ensemble. Je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo. J'ai plusieurs choses à dire. La première, c'est... Rester à la maison. Et ce sera le seul moment où je vous fais, on va dire, la morale. On n'est pas là pour parler de machin, là. Celui dont on ne doit pas dire le nom. Déjà, première chose, si vous êtes anxieux, j'ai remarqué un truc qui joue grave sur moi. Mettez de la musique. En fond, en permanence. Comme ça, vous sentez pas trop l'isolement, le confinement, la solitude, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Je pense que il faut pas se laisser aller. C'est-à-dire que, ok, on va pas sortir, mais c'est pas pour autant que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai choisi de pas rester en pyjama toute la journée, parce que je peux pas, en fait. Je suis quelqu'un d'extrêmement actif, donc là, je... Tu vois ce que je veux dire? Je suis actuellement confinée, comme tout le monde, mais... Pas seule, j'ai mon chat déjà pour commencer et surtout j'ai Léa qui est avec moi, qui est ma meilleure amie. Et en face de moi il y a mes voisins, on a vraiment un vis-à-vis absolument total. On a fait une petite liste non exhaustive de ce qu'on peut faire pour s'occuper. Nous on a des idées qu'on va filmer toute cette semaine. Vous attendez pas à des concepts incroyables, on va juste s'occuper. Je vais mettre en place plein de trucs au fil de ces jours que je vais vous montrer en vidéo, ok? On est en temps de crise, c'est-à-dire que à la base sur ma chaîne j'avais une putain d'idée. Tous les projets que j'ai de base sont reportés. J'aimerais essayer de vous amener avec moi dans le fait que ce confinement n'est peut-être pas nécessairement une si mauvaise chose. C'est chiant. Et déjà, il faut se dire qu'on est en train de sauver la planète, mais surtout, on peut en faire quelque chose de positif. Ok, on est tous enfermés. Ok, c'est le point de démarrage. Maintenant, je pense et je sais, quand je lis vos commentaires et vos messages, que vous avez tous des projets ou des idées ou des trucs que vous avez envie de mettre en place depuis longtemps. Ou des blessures à régler, ou des... je sais pas. Mais là, on n'a que le temps de s'occuper de nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, non, il y a des gens qui ont encore des études, il y a des gens qui travaillent encore. Et sincèrement, je vous apporte mon soutien le plus profond. Évidemment, cette vidéo, pour le coup, là, elle va plus s'adresser aux gens qui... Enfin, qui peuvent rien faire. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont obligés d'occuper leur temps et qui savent pas de quelle manière ils vont pouvoir le faire. Avec Léa, on a fait une liste. Léa, je t'écoute, j'aimerais que tu nous dises la liste. Doucement quand même. Jeux de société. Les jeux de société, évidemment. Mais ça, c'est basique. Mm-hmm. Si vous en avez pas, vous pouvez les fabriquer. Ou alors, il y a des applications genre Uno, le jeu plateau sur iOS, je crois, et même enfin sur le loup-garou aussi. Le loup-garou. Ok, il y a des loup-garous en ligne, il y a des chambres de loup-garous en ligne si jamais vous êtes seul. Mais voilà, tout ce qui est jeux de société, même si vous les avez pas en physique, vous pouvez les retrouver sur des plateformes ou des trucs comme ça. Aussi, j'ai remarqué un truc, c'est qu'il y a plein de marques qui laissent leur contenu qui normalement est premium en public pendant quelques temps. Je sais pas encore qui fait ça. Enfin genre je sais que bon, y a des sites pour adultes qui le font, donc je pense qu'il y a des gens qui vont se retrouver avec des bras énormes. On peut pas leur en vouloir, il faut s'occuper. Ok, vous pouvez binge-watcher évidemment des séries, mais comme je le disais tout à l'heure, Netflix ça va être vite chiant. Moi j'ai deux autres idées là à rajouter. On va fabriquer une maison avec des couvertures et tout. Une cabane. Comme, oui, on va fabriquer une cabane. Vous pouvez vous fabriquer, ça on va le filmer avec Léa. On va se fabriquer une cabane
Mais genre grandeur nature, tu vois les cabanes que tu faisais quand t'étais petit. Sauf que nous on a tout mon appart et comme on vit que toutes les deux, pouf, on va se faire une cabane. C'est peut-être le moment aussi de trier ses fringues, de trier son make-up, de trier ses relations. Parce que regardez, on est en confinement. Si ton crush met du temps à te répondre alors qu'il a que ça à foutre. Quoi, c'est vrai? Oh, faut que je vous raconte, je me suis fait larguer par téléphone mardi dernier. Incroyable. Bah ça a piqué mon ego pendant 2-3 jours quand même. Mais bon, c'est pas grave. I don't need a man. Évidemment, tri égale rangement. C'est peut-être le moment de tout cleaner. C'est-à-dire que, en fait, comme je le dis à Léa depuis 3 jours, il y a un moment où ce confinement va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait entre le moment où on est confiné et le moment où ça s'arrête? C'est peut-être le moment de se préparer à... au après. On sait pas quand est-ce qu'il y aura un après. On sait pas combien de temps ça va prendre. Mais on peut se préparer pour être super prêt le jour où on va pouvoir récupérer nos habitudes, récupérer notre travail. Éventuellement, peut-être que c'est le moment aussi de prendre du recul sur sa vie et de se dire, est-ce que ce que je fais ça me plaît vraiment? Est-ce que c'est réellement là où j'ai envie d'aller? Est-ce que j'aimerais pas changer quelque chose? Genre, je sais pas, m'inscrire dans une salle ou faire des trucs. C'est le moment de se préparer à notre nouveau nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est aussi le moment d'affronter un peu sa solitude, d'apprendre à se connaître, de discuter plus amplement. Parce que vous savez, évidemment, pour s'occuper, on peut aussi faire un tour de FaceTime. On appelle tous ses potes, on truc, c'est bien. Mais une fois qu'on les connaît, on peut croire qu'on les connaît, mais en fait, on les connaît pas. Donc, il y aura aussi une vidéo qui va arriver où, en fait, je suis en train de sortir tous mes livres et je me rends compte qu'il y a plein de livres que j'ai qui amènent à poser des questions dans des discussions que tu poserais pas en temps normal. Mais du coup, ça va te permettre peut-être de mieux connaître tes potes. Peut-être que tu vois pas, mais la vidéo va arriver. Ce sera peut-être le jour 2 ou 3 ou 6 ou j'en sais rien. De la pâtisserie. Alors oui et non. Oui. Enfin, pâtisserie, mais... cuisine, genre tu t'occupes. Exactement. Tu peux tenter peut-être des plats que tu fais pas d'habitude. Mais est-ce que vous aussi vous faites ça? Dites-moi. Est-ce que vous aussi, genre vous regardez un truc dans votre placard, vous vous dites, je le mange tout de suite ou pas? Est-ce que vraiment j'ai faim de ça? Parce qu'en vrai, dehors, c'est chiant d'aller faire les courses. Parce que je sais pas si vous êtes sur Paris, mais sur Paris, c'est une horreur. Vous savez, on n'a plus grand-chose dehors, mais il nous reste quand même Internet. Et ça, c'est trop cool. C'est peut-être aussi le moment d'envoyer... par exemple, si t'aimes bien chanter et que t'oses pas poster des covers, je crois que c'est vraiment le moment ou jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu peux y aller. Si tu veux tester des vidéos humoristiques, si tu veux te lancer sur YouTube, si... En fait, là, c'est réellement le moment où tu peux mettre en place des trucs pour toi. Mais bref, tout ça pour dire que... T'as vu ma nouvelle paire? Peut-être le moment de développer une nouvelle compétence. C'est-à-dire que si t'aimes bien le piano, bon, faut avoir un piano pour ça, mais tu peux t'entraîner à dessiner. Il y a aussi des artistes qui font des concerts là en ce moment gratuits. Je sais que John Legend en fait un aujourd'hui, qui est diffusé sur internet de manière totalement gratuite. Mais voilà. Dernière chose, je voudrais mettre en place des radios libres sur internet. C'est-à-dire que de temps en temps, là sur ma chaîne, il y a un truc qui s'appelle Chill Chat, je vous le mets là, que j'ai testé quand je travaillais pour le live. Et en fait, en gros, ce serait un moment où j'allume un live avec Léa, du coup, et on reste 2 heures en live et on discute de plein de trucs et en même temps, je vous appelle pour de vrai. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je vais mettre en place un mail où vous pourrez m'envoyer une partie de votre histoire ou votre question ou quoi et je vous appelle et on en parle ensemble en live et nous, on vous donne nos conseils, tu vois. Ça, c'est un truc qu'on va mettre en place. Sachez que les crushs de l'enfer, ça va arriver. Il y a une vidéo sur Animal Crossing qui va arriver. Il y aura sûrement des let's play si je reçois bien mon boîtier de capture jeudi, il doit arriver jeudi, le jeu sort jeudi minuit pour moi parce que je l'ai précommandé sur le e-shop donc ce serait trop cool. Le appartement tour va arriver, je redécore ma chambre, partie 2 arrive et donc partie finale. On est obligé de rester chez soi et il y a des gens qui vont vivre ça un peu comme une punition. Pourquoi? Parce que j'ai fait partie des gens qui n'aimaient plus l'endroit dans lequel ils vivaient. Aujourd'hui j'adore mon appartement, donc c'est-à-dire que je suis presque trop contente d'être chez moi dans le sens où j'aime chez moi. Tu vois ce que je veux dire? La déco me ressemble, les énergies me ressemblent. À chaque fois que je regarde un truc, vu que j'ai fait le tri, c'est que des objets qui me rappellent des bons souvenirs ou qui me rappellent des beaux moments. Et si t'aimes pas ton chez toi, c'est peut-être le moment, comme je le dis, de faire un énorme tri, d'aérer correctement pour laisser circuler l'air pour que tu te sentes pas enfermé de ouf. Chers amis anxieux, je pense vous dédier une vidéo spéciale, voilà. Moi je vous cache pas qu'avec ce qui se passe, mes crises d'angoisse, elles sont... Tu sais, elles me regardent du coin de l'œil en mode... Hey bitch, do you want me to join? Pour le moment, comme je le dis, je le gère bien, dans le sens où il y a des petits trucs que je mets en place qui m'aident énormément. C'est-à-dire ne pas rester en pyjama toute la journée à rien faire et surtout éteindre la télé. C'est un truc qui me calme direct. C'est-à-dire que si vous mettez BFM en boucle, ça fait que paniquer. C'est pas la peine de faire ça. Mais voilà, j'appelle mes potes, je mets de la musique en fond, je range. Je sais pas comment vous dire, mais le fait de rester active et sans être devant la télé où on nous bourre la tête de ce qui se passe, sans être dans l'inconscience. Il faut évidemment continuer de s'informer,
C'est pas le but de vivre comme ça en mode non mais y a pas de soucis dans la vie, t'inquiète pas, voilà. Mais regardez en boucle les chaînes d'infos, ça n'enlèvera pas le problème. Voilà, mettez de la musique, prenez soin de vous et surtout allez à votre rythme. Genre le fait d'avoir ralenti un peu le rythme aujourd'hui, de prendre mon temps de manger, de m'asseoir, de faire une sélection des vidéos YouTube que j'ai envie de voir, d'aller un peu sur internet mais pas trop, de je sais pas comment vous dire. Ça m'a fait grave du bien. Voilà, maintenant, comme je le dis, j'attends dans vos commentaires trois choses. Première chose, vraiment, je veux vous lire. Genre, je suis en train de prendre de vos nouvelles. Je veux, en petit 1, comment vous vous sentez aujourd'hui. En petit 2, comment vous vous occupez. Si jamais il y a des choses que je n'ai pas dites, dites-moi. On en parlera demain. Et en petit 3, que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et en petit 4, si vous êtes super chaud pour les lives, ok? On va faire ça. Ce qui est bien, c'est qu'avec Léa, on s'entend déjà, première chose, on s'entend extrêmement bien. Et deuxième chose, on est toutes les deux des gamines, donc on a tout le temps des idées. Genre là, sachez que vous voyez la vidéo des 48 heures avec les ongles, ou de je redécore ma chambre, vous voyez le mood que j'ai, ça va être ça. Ça va être du divertissement, ça va être des moments cool, ça va être pas de prise de tête. S'il y a des jours où je sais pas quoi faire, bah je ferai quand même ce que je sais pas quoi faire. Je voulais aussi saluer forcément toutes nos forces de l'ordre qui sont dehors aujourd'hui pour faire respecter le confinement. Tous le personnel soignant évidemment, et je pense à tout le monde, hein, que ce soit les médecins ou les gens qui nettoient les hôpitaux, ou vraiment je pense à tous les gens qui bossent, je pense à tous les gens qui sont seuls, j'espère que je vais pouvoir vous divertir un peu et vous faire passer un bon moment. Je pense à tous les gens anxieux, on est comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans la même équipe, mais on va se soutenir là-dedans. Et je pense aussi à toutes les femmes qui sont enfermées et tous les enfants qui sont enfermés avec des conjoints ou des parents violents. Je vous mets en bas des numéros verts qui pourraient aider les gens qui en ont réellement besoin. Je pense à tous les gens qui sont dépressifs et qui sont tout seuls. Je pense à tout le monde, de tout mon cœur, et j'espère pouvoir vous aider à faire passer ça plus vite. Voilà, gros bisous, à demain.